Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Subnautica et regardez, ça y est, nos plantes ont poussé. Pas tout à fait, 84%. L'an dernier, toi tu as fini de pousser, ça c'est cool. Et si j'arrive à le melon marbré, parfait. Alors ce qu'on va faire, on va pas le manger de suite. Voilà, pourquoi je fais ça? Voilà, un melon marbré adulte nous donne 4 plants de melon. Donc c'est pas compliqué, hop. Voilà, on va avoir 4 plants de melon, donc ça va être parfait. Autre chose, le lanternier, si j'ai pas de bêtises, on peut commencer, je pense, à ramasser un fruit. 10 de nourriture, 3 d'eau. Voilà, déjà c'est pas mal. Et donc toi, on va attendre que tu termines. En attendant que tu termines, on va pouvoir faire le bioréacteur. Et le bioréacteur, regardez, alors je vous ai pas montré, oui c'est vrai. J'ai fait une armoire de plus, regardez, je les ai remplis. Tac. Tac. Et tac, voilà. Et je vous ai pas montré, j'ai dû décaler mes panneaux solaires, voilà. J'ai dû les décaler parce qu'à terme il va y avoir ici une seule multifonction en plus. Et donc voilà, j'ai fait une seule multifonction en plus qui va me permettre de... Vous voyez ce qui part là? Voilà. Ça vient de cette plante là. Qui va me permettre de faire tout ce qui est stockage, je pense, au-dessus. Donc là, je viens de remarquer, voilà, un truc cool. J'ai chopé au fait le deuxième minerai d'argent qui me manquait. Putain, ces plantes là, c'est vraiment pas le bon endroit où je me suis mis. Écoutez, c'est pas grave, on les écrasera avec des salles multifonctions. Hop, ça leur apprendra la vie. Est-ce qu'on n'aurait pas encore, hein, tant que j'y suis ah voilà. De l'or encore, ce serait de l'argent, mais vraiment. Putain, mais il y en a partout de ces merdes. Du plomb. Ah, ce serait pas des plans par là? Minerai d'argent, cool. Ça c'est du calcaire. 30 seconds. Ah, on va y aller. Calcaire, ok. Bon, plus que 18 d'oxygène, mais ça va, on est à côté. Ce serait bien que je trouve le rechargeur de piles aussi. Et je pense qu'on va aller refaire un... Après, il y a des bulles là. Ah non, c'est bon. Est-ce que j'ai le lithium par là ou est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Plomb. C'est du plomb. J'aimerais fortifier un peu... J'avais du lithium, c'est sûr. Ah, absorption d'eau, ouais. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On peut prendre un fruit. Ça va nous faire plus 3. Voilà. On a encore un message, je vais l'écouter juste pour avoir le signal. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Le Sunbeam m'arrive dans 40 minutes. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Module d'intérieur, oui. Hop. Rotation, je peux le bouger? Ah oui, je peux le bouger, d'accord, je peux bouger l'entrée. Enfin, le panneau de contrôle. Donc c'est parti pour le bioréacteur, et le bioréacteur ça va être super utile. Parce qu'en fait les panneaux solaires rechargent la... Exactement. Ouais, du coup si on a plus d'eau, normalement lui là-bas, il a fini de pousser, donc on va pouvoir mettre un petit coup pour avoir de l'eau. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que... je sais pas si les fruits lanternes, je sais que les melons ou les patates chinoises... Ah, c'est ça que j'ai mangé. Les patates chinoises.
Bah faudra y retourner retourner en chercher. Alors du coup. Plant Ming. Bon ça va être de la déco plutôt. Il va falloir alimenter notre comment ça s'appelle, vous en êtes où, notre bioreacteur. Utiliser pot de fleurs, non, moi j'aimerais voir la croissance, on l'a pas, bon. Ouais, ok. Voyons voir, qu'aurions-nous d'autres d'intéressants. Les coupeurs laser on l'a fait, hein. Non on l'a pas fait. Il me fallait deux diamants, on en a qu'un, c'est ça. Ouais. Palme ultra glissante. J'ai le lithium, mais je l'ai sur moi le lithium, t'es sérieux? Ah il est là, oui. Ok, donc de suite ce qu'on va faire c'est c'est dans quoi? C'est base 3 titanes, mais ça va, j'en ai du titane. Je sais plus où, mais j'en ai. Voilà. Est-ce que je vais la vouloir? Le bioreacteur, il n'y aura pas de fenêtre. Donc on peut se permettre de fortifier. Je me trompe de bouton. Voilà. On passe à 12.5. Nickel. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bac à culture d'extérieur, il faut 2 titanes. Alors pourquoi ça va être utile le bac à culture d'extérieur? Par contre il me faudrait choper un peu le lithium en fait, pour faire une... je l'ai pas là, ah si, une fondation. Ah non, titane et plomb, parfait, parfait, écoute on va aller te faire ça. Bon je prends tout le titane. Et pourquoi je fais ça? Ça va être pour nous faire un espèce de petit jardin. Ouais, alors attends, je vais aller récupérer l'eau. Faudrait que je me mette un peu mieux en eau là. C'est un peu faible là. À chaque fois, je. Voilà. Donc un petit jardin botanique scientifique, appelez ça comme vous voulez. Ah putain, je viens de voir ça, c'est magnifique. De l'argent, génial. Donc, où est-ce qu'on va vouloir notre petit jardin? Putain, 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 putain. Casse-toi. Je pense que là, ça pourrait être très très cool un jardin. À terme, notre base va. L'entrée, elle est là. Donc, non plus. Ouais, si. On va le commencer là, on va faire les fondations ici. Alors, comment placer ça? C'est pas rotatable. Ou rotationnable, ou appelez ça comme vous voulez. Comment je vais pouvoir placer ça? Comme ça, ça me paraît bien. Les pieds vont aller toucher le sol. Ah, j'allais dire ou pas. Si. Et donc là, on peut faire... bac à culture d'extérieur. Et pourquoi faire ça? Oula, attends. Pour se faire des réserves, en fait. Outre de l'intérêt scientifique. Pour jouer un peu RP. Par exemple, là, je vais pouvoir planter des vignes d'or, hein, un cerveau corail. Voilà. Et de putrides racines. Ok. Je sais pas si vous avez lu, en même temps que moi. Je suis un peu déçu des projos. Hein. Franchement, m'attendais à mieux. Et donc, est-ce que nos melons ont terminé de pousser? Je veux pas utiliser le... Je veux manger mes melons. C'est pas possible? Ah, ça va être chiant si je dois faire ça à chaque fois.
plan de me l'embarbrer. Oui, d'accord, mais... Ça va être pénible, ça va être très pénible. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... On va se faire juste un deuxième arbre bulbe. Module intérieur, voilà, qu'on va placer... Non, pas ici, ça va me bloquer. Plutôt ici, ouais. À terme, les... Hop. Ça va partir au-dessus, je pense. Non, là tu me mets pas ce que c'est. Là tu me mets lanternier et utiliser pot de fleurs. Putain, ça va être chiant. Ça va être ultra chiant. Bon, faut déjà que j'y retourne pour les plantes patates chinoises. Ah putain, l'an là. On est à 80%. Ok, donc mauvaise idée de planter les melons au fond. Vraiment mauvaise idée. Donc. Hop, ici, utiliser le pot de fleurs. Voilà. Déjà, on a sauvegardé une espèce. Celui-là peut mourir, on en a un de secours. Le lanternier, alors on va faire un test. Est-ce qu'un fruit lanterne... Même deux fruits lanternes. Est-ce que ça fait tourner le bioreacteur et à... Parce que je me souviens que les plantes patates chinoises, c'était vraiment le... Oh, ils ont animé le truc, c'est cool. C'était ce qui fonctionnait le mieux. Et alors la puissance, du coup, il va se mettre à tourner. Ils ont... Oh, franchement, c'est cool, ils ont même animé ça. Ok, donc ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire... Est-ce qu'il me reste du titane? Non, pas assez. Ce qu'on va faire... c'était là? Non. Ah mince, je me trompe de touche. Oh, mais attends, j'ai plus de titane? J'ai plus de titane, donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher du titane, déjà. Hop. Il fait nuit, il fait nuit, c'est génial. Alors attends. Là, typiquement, regardez le cerveau corail là. En plus, ça attire les poissons donc c'est assez pratique. On met un petit coup. Voilà, on a chopé un peu de cerveau corail. Voilà, on va aller le planter directement. C'est quoi cette lumière? Ah si, c'est mon projo. Ah, il est clair quand même. Utiliser pot de fleurs. On y met le cerveau corail et voilà, il va commencer à pousser. Il est où? Il est là. Hop. Notre petit cerveau corail. Ok, alors on est parti à la recherche de titane. Donc il y avait des débris par là, je crois. Est-ce qu'on peut choper la bulle là? Ah, on l'a loupé. Là, on a du titane. Putain, ça fait peur. Est-ce qu'ici on va avoir du titane? Pas l'impression. Des champignons, on va en planter. Bon, j'en ai des champignons, j'en ai en stock. Simplement pour faire des piles, un pochon. Il est où? C'est très très mal fait ce... Ah! Super. L'espèce de radar par-dessus le... Enfin, en face en fait, on voit rien quoi. Il aurait été bien plus haut, ça aurait été mieux. Sur le HUD. Donc du titane en un pochon, on va se faire une petite bouteille d'eau. Je suis en train de regarder.
Putain, il est où l'aurora? Du mal à me repérer. A mon avis, non, il est par là. Ok, c'est à l'opposé. On va aller vers l'aurora, des débris, il y en a plein vers l'aurora. Ça c'est une raie lapin mais je peux pas la prendre. Un pochon. Ah reviens, mince. Plaque, ouais non. Là un pochon. Putain c'est fou que je le rate comme ça. Mais chope-le. Oh là là. On va prendre un peu de hauteur histoire de voir. Non, c'est de l'ombre. S'il n'y a pas de débris. Ça c'est un débris. Ouais. On va aller se choper. Hop, de la vigne dorée aussi. C'est quoi? Oh putain, je croyais que c'était le Léviathan. Mais oh, tu me touches pas le cul comme ça? Hop, de la vigne dorée, parfait. On va reprendre de l'air. Ici, oh lolo. Ici, il y a des trucs, il y a des schémas, je sais. Je vais juste économiser un peu les piles. T'as un œuf. L'unité de confine. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est magnifique. Je savais pas qu'il faisait ça. Lieu d'atterrissage du Sunbeam. Sunbeam, pardon. Bon, on explore un peu au final. Je sais qu'on était parti. À la base, juste chercher du titane. Non, c'est l'œuf que je veux. Je peux pas? Bon. Oh, il y a plein d'androdeurs là. Allez, barre-toi. Ah oui, mais cette zone, elle était. Je me souviens, il y en avait plein des androdeurs ici. Ah, un. Ici, on va peut-être trouver du titane. On l'a scanné, ça? Ouais. T'as essayé de me croquer, toi. Je t'ai vu. Non, finalement, pas de titane ici. Je suis un peu déçu. Avec tous les débris qu'il y a. Là. Ah, parfait, il y en a à côté aussi. Oh non, inventaire plein. Bon, tant pis. Mince, je vois plus la base. Capsule de survie. Capsule de survie. Allez. On va aller se faire les deux pochons là. C'est moi ou je vois rien? Pourquoi tout d'un coup? Putain, je sais pas si vous le voyez là. Et la base, qu'est-ce qu'on la voit mal, un lieu d'atterrissage pareil. On va changer un truc. Capsule de survie, tu me la mets jaune, faut que je la vois bien. Voilà. On va se faire les pochons. Pochon cuit, quel débile. Bon, ça fait de l'eau. Ouais, ça fait de l'eau. Quel idiot. Bon, c'est pas très grave, mais c'est con, quoi. On va reprendre un kit de survie. Hop, on va repartir à la base. Faut vraiment que je fasse une balise, mais j'ai pas les plans. Après là je vais planter une vigne dorée et vous avez vu les vignes dorées ça fait de la lumière.
Donc forcément ça va on va l'avoir de loin à la base. Ah non mais ça se place pas à l'extérieur ça. Mais de l'extérieur. Foiré, putain. Mais quel connard. Pendant que je construisais quoi. Pourquoi je peux plus. J'ai plus de titane. Ah bah oui, je l'ai pas fabriqué, je suis con. Hop. Hop. Putain, mais comment je te bute toi en fait? Tu me rends fou là. Et il bouge plus maintenant. Oh mais barrez-vous, juste barrez-vous. Vous mettre des plantes là pour vous faire fuir des trucs que vous avez pas dans votre biome. On va s'en mettre deux. Hop, les voici, la croissance, on est loin encore. Donc, je vais vouloir aussi. Vous voyez, ça y est, c'est déjà. Déjà inactif. Donc, ce qu'on va se faire, c'est. Un petit pot ici. Un ou plusieurs même. Attends, on va placer celui au milieu. Voilà. Comment j'ai placé ça vraiment au bord. C'est à peu près aligné, j'aurais pu, ouais. J'aurais pu reculer un peu celui-là, bon c'est pas très grave. Et donc on va aller chercher de l'eau déjà. Mince. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir celui-ci. On va se soigner, ok. Est-ce que je peux prendre un melon? Ah, un pec. On va pas le ramasser, on va le couper. Mince. Putain, j'ai tapé dans l'autre. Voilà. Et là du coup, 1, 2, 3, 4, ok, on va recommencer. Ah oh, putain ça va être chiant ça, ça va être ultra chiant. Il fait monter, je sais pas pourquoi, voilà, 4. Et encore 4. Mais mince. On peut pas s'asseoir. Il y avait une touche pour s'asseoir, c'était quoi? Bon ça c'est pour courir. Contrôle. Non. Alt. Non plus. Attendez, je regarde juste. Ça va être juste ultra chiant là si je suis bloqué au fond. Démonter les rangées. Main droite, suivant, ouais. Prendre une photo, recharger, courir, monter. Descendre, c'est. C'est peut-être ça. Non. Bon, eh ben tant pis. Ah, j'ai réussi. Parfait. Voilà.
Ici on va faire la même chose. Voilà. Et donc le dernier on va aussi le couper pour le replanter en fait. Ah cette misère, mais coupe moi le putain. Bon on va le ramasser. Et est-ce que je peux le replanter maintenant? Et je peux le re-ramasser, c'est exceptionnel. Par contre tu t'es mis plus près. Voilà, ça c'est bon. Donc on va rien mettre ici. Bac à culture d'intérieur, voilà. Ça va être mieux. Bon, ça va être la salle un peu de sortie on va dire, et la bouffe avant la sortie, c'est logique. Donc non, on va pas faire cette bêtise. Je pense que là on passe derrière. Oui, c'est pas beau ça. Et donc mon ami, tu vas me cultiver des graines de melon marbré de manière industrielle. Ici on va récupérer ça. On va récupérer ça. Les œufs. Allez, on va commencer à faire un peu de tri. Les œufs, on va les mettre dans une seule et même armoire. Ça, on récupère. Ça, c'était en extérieur. Hein. Bah oui, tout était en extérieur, de toute manière. Enfin, en extérieur à l'air libre, voilà. Ok, là, on a encore un œuf. Je pense que j'ai pas fabriqué tout le titane que je devais fabriquer ici. Ok. Donc on va en rechercher. Je crois qu'ici, si j'ai pas de bêtises. Ouais. J'en ai vu d'autres. Je sais pas trop. Oh putain, putain, putain. Voyons voir nos plantes. Ça commence. J'ai pris le champignon. Non. On va faire un test, mais je crois que c'est pas possible. Ouais, non. Non. Et non plus. Par contre, j'espère que vous allez me faire des fruits, vous. Où est-ce que je vais aller chercher ça? Bon, vous savez quoi, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Je vois la durée de l'épisode, le temps que je trouve du titane, ça risque d'être un poil long. Donc on va se laisser ici et on va se retrouver. On va se retrouver au prochain épisode. J'aurai fait le plein au moins de titane, certainement d'autres choses parce que quand on se balade on est obligé de. On est obligé de récupérer d'autres trucs. On peut pas les laisser passer. Je vais peut-être même faire un aller-retour à sur l'île. Pour récupérer un peu de plantes patates chinoises. Et puis je verrai. Voilà. Allez, on se laisse ici pour aujourd'hui. On va se faire la miniature. Alors, la miniature. On va se la faire comme ça. Avec le bioréacteur. On pourrait lui mettre quelque chose dedans. Ouais, toi ça a pas poussé. On va lui mettre juste un. Hop, un fruit lanterne pour faire croire que ça tourne à bloc. En permanence, fruit lanterne, et on va se le faire comme ça, voilà. Ok, c'est cool. Bon, allez, on se laisse ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode comme d'habitude jusqu'au bout. Pour ceux qui le suivent, en tout cas, pas tout le monde, mais la plupart. Et je vous dis donc à demain avec le plein de titane, et puis on va aller voir le Sunbeam, son atterrissage qui devrait nous sauver. Allez, à demain.